putain de commencer la vidéo, je fais gagner 2 fois 10 euros de V-Bucks. Donc en fait pour participer c'est très simple. Alors vous avez un concours sur Twitter et un concours sur YouTube. Alors pour YouTube c'est très simple, il suffit de liker la vidéo, de commenter la vidéo, je participe pour les V-Bucks, et de partager la vidéo sur Facebook, Snapchat ou Twitter comme vous voulez. Et pour le concours Twitter, je vous mets le lien en description, vous avez juste à liker et à retweet le tweet en question pour participer, pour tenter de gagner donc les 10 euros. Donc voilà, on commence la vidéo, c'est parti, go! Bonjour à tous, j'espère que tout serait bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour savoir comment avoir des V-Bucks gratuitement sur Fortnite et facilement. Voilà, vraiment rapidement et facilement. Alors en fait c'est très simple. Grâce à une application on va pouvoir gagner des points, et grâce à ces points on va pouvoir s'acheter, enfin échanger les points contre des cartes pour ensuite s'acheter des V-Bucks sur Fortnite. Alors donc déjà c'est très simple. Alors soit vous allez sous la vidéo en description en première ligne, donc je mettrai ici le lien, vous aurez le lien ici. Donc soit vous cliquez ici sur votre téléphone Android ou iOS, donc voilà Apple ou Android, vous cliquez dessus, soit vous allez chercher donc l'application. Alors pour iOS, pour ceux qui sont sur Apple, il faudra aller sur Safari et mettre Speedy Co. Mais de toute façon, vaut mieux cliquer sur le lien en description, comme ça vous irez directement sur l'application. Mais imaginons que vous faites ça. Vous allez faire Get for iOS. Voilà, comme ceci. Hein. Donc là, vous allez arriver ici. Donc c'est l'application en fait. Et donc là, vous voyez Fortnite Giveaway tout en haut. Mais là, il vous propose code d'invitation. Donc là, comme code d'invitation, vous allez gagner 30 points. Donc bah, mettez mon code, comme ça vous aurez 30 points d'office. Donc c'est Luc du 4, comme ceci. Donc là vous faites confirmation. Voilà. Et donc là vous allez gagner normalement 30 points. Je crois que ça marche pas pour moi parce qu'en fait je suis en fait sur le même téléphone tout simplement. Ouais, ça marche pas. Erreur. Je sais pas. Mais en gros vous allez avoir déjà 30 points dès le début. Ensuite, donc là vous voyez Fortnite Giveaway tout en haut là. Où je l'ai cliqué. Donc on peut gagner, il y a 25 cartes de 10$ à gagner pour ensuite les utiliser sur Fortnite. Et pour Android, c'est la même chose. Hein. Vous allez soit vous allez cliquer sur le lien comme je vous ai montré, hein, donc je vous remontre. Vous cliquez sur le lien, vous allez directement arriver sur l'application. Sinon vous allez sur le Play Store, vous installez l'appli, il vous demandera un code pour gagner 30 points également. Vous mettez mon code LucDu4 comme je vous ai montré et vous allez gagner 30 points. Donc moi j'ai rien parce qu'en fait j'ai déjà mis le code. Donc voilà. Donc là vous voyez déjà il y a ça. Donc vous voyez que l'application elle est vraiment optée pour Fortnite. Ensuite, très simple, pour gagner des... Donc là en fait si vous voulez, vous allez gagner des points. Et grâce à ces points, vous allez avoir des cadeaux que vous allez pouvoir utiliser sur Fortnite. Je vous montrerai après comment utiliser les cartes qu'on a sur Fortnite. Donc là, voilà, j'ai les points, j'ai 30 points. Donc là vous avez les cartes, donc vous avez si vous voulez les cartes iTunes, mais bon, ça ne nous intéresse pas, nous, ça nous intéresse, enfin ce qui nous intéresse c'est Fortnite. Donc c'est surtout PayPal pour avoir donc 10$. À la limite après si vous voulez des cartes iTunes ou Play Store, bah, n'hésitez pas. Hein. Ou même après voilà, ce qui est pas mal pour nous aussi, pour ceux qui sont sur Xbox ou PlayStation, vous pouvez donc avoir des cartes. Donc PlayStation France, 20€, et Xbox Live, 8€, que vous pouvez utiliser, donc voilà. Sur le jeu Fortnite, hein, vous achetez les V-Bucks, vous utilisez donc les cartes cadeaux. Donc en fait, voilà. Donc là, par exemple, on va dire, par exemple, pour Xbox Live, il faut 1750 points. Pour avoir des points, c'est très simple. Donc vous allez dans... Alors attendez, c'est... Vous allez ici. Donc là, vous avez des applications. Vous avez également des petits questionnaires. Vous pouvez gagner des points, donc c'est assez rapide à faire. Et donc, vous avez également ça. Donc voilà, plein de petites applications. Donc là, vous avez en moyenne, vous gagnez entre 50 et 60 points par application installée. Donc on va dire, donc voilà, entre 50 et 60 points en moyenne. Donc voilà, vous installez une vingtaine d'applis, même un peu moins d'une vingtaine d'applis parce que vous allez déjà avoir 30 points que vous avez grâce à mon code. Vous avez également les questionnaires. Si vous n'avez pas trop envie d'installer l'application, vous pouvez faire les questionnaires, donc qui sont ici. Vous répondez à des questionnaires, vous pouvez gagner donc voilà une dizaine de points à chaque fois. C'est assez rapide, participer à un sondage aussi 60 points. Donc les premiers points vont arriver vraiment rapidement. Donc une fois que vous avez tous vos points, bah vous échangez, vous cliquez ici. Après ça vous donnera donc la carte Xbox Live ou PlayStation ou PayPal si vous êtes sur PC. Donc voilà. Et de plus, comme je vous ai dit au début, Fortnite Giveaway, en gros, là ils vous disent... si vous voulez participer à ce jeu concours pour gagner donc
pour tenter de gagner, si vous voulez, 25 cartes de 10$. C'est très simple, il suffit donc de noter l'application et ensuite de compléter 3 offres. Donc vous complétez par exemple 3 offres, on va dire Sadie's Count, on va dire Rabbit Jump, le jeu là, et Casino Max. Vous les complétez, donc vous allez par exemple dessus, là ils disent quoi, ils disent de l'installer, installer et ouvrir, c'est écrit là, hein, sur le petit i, installer et ouvrir, par exemple Sadie's Count, ils disent quoi, juste installer et ouvrir, donc voilà, vous l'installez, vous l'ouvrez, puis après, une fois que c'est bon, une fois que vous avez eu les points sur l'application, vous pouvez désinstaller l'application sans difficulté, enfin il n'y a pas de souci, vous pouvez la désinstaller directement après. Une fois que vous avez reçu les points sur l'application, bah, c'est bon, vous pouvez désinstaller par exemple Sadie's Count que vous aurez installé, ou Free Prince par exemple. Et donc si vous avez plus beaucoup d'applications à installer pour avoir des points, vous faites comme ça, vous rechargez et vous allez avoir de nouvelles applis. Donc voilà, c'est la petite technique, comme ça vous avez pas mal de nouvelles applis qui arrivent. Donc voilà, tout simplement. Et donc voilà, bah, en fait c'est très simple, hein, comme je vous ai dit, ensuite vous allez, donc voilà, vous échangez la carte. Imaginons que vous avez une carte Xbox Live, vous rentrez le code qu'ils vont vous donner sur votre Xbox, et pareil pour le PlayStation, hein, vous rentrez le code sur votre PlayStation, vous allez gagner donc 20€ ou 8€, ça dépend de la carte que vous avez, et puis après vous achetez les V-Bucks directement sur le jeu, hein, vous faites acheter, tout simplement. Donc voilà, vraiment une très très bonne appli que je vous recommande, vraiment n'hésitez surtout pas, en plus en ce moment, ils font ben voilà, gagner 25 cartes de 10$, donc ça fait 250€ PayPal à gagner parmi ceux qui participent. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à télécharger 3 applications, comme ça vous pouvez participer pour tenter de gagner une carte de 10$, c'est quand même pas mal. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher encore une fois le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt, allez ciao.